Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Ouh, j'ai trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe! Sans parler de cette odeur et de cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! Express yourself! On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley! Express yourself! Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? Oh non, va pas faire ça! Elle va nous interroger! Express yourself! Je suis trop triste pour marcher. Groupe de filles hyper cool à 2h. Oh, allons leur parler! Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Ah, ça donne la fritade. Vous savez, vous êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. On a un énorme problème. Quoi? Tu plaisantes? Je ne veux pas en rater un! Alors là, c'est tout sauf cool. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, tristesse! T'as touché au souvenir! Tu es sûr que ça va? Je sais pas trop. Répare-le! Laisse-moi lâcher! La mémoire centrale! C'est n'importe quoi! Qu'on répond là? T'es en panne, mais pourquoi t'es en panne? On est où là? Attends, tu vas te perdre! Sois positive! D'accord. Je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Comment s'est passé ce premier jour d'école? Bouge, je vais faire joie. Tout s'est bien passé, ok? Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Respire, on le s'énerve. Accroche-toi. Je le crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat.